Monsieur Zidbelmour, bonjour. Bonjour. Alors, attractivité du marché financier, comment assurer aujourd'hui la mise en place par le biais de la Bourse d'Alger de mécanismes transparents et efficaces? Que faut-il? Alors, par définition, un marché boursier travaille déjà dans la transparence, puisque les entreprises cotées sont dans l'obligation, en fait, de communiquer leurs informations financières. Pour nous, c'est au moins 2 fois par année, donc c'est la transparence par là, passe par là. Maintenant, pour assurer une plus grande transparence, il suffit en fait d'intégrer beaucoup plus d'entreprises, ce qu'on appelle dans notre jargon une profondeur, gagner en profondeur de marché. Pour cela, il faut que, par exemple, des entreprises du secteur privé, pourquoi pas, on a beaucoup d'entreprises qui sont connues aujourd'hui, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Ça serait intéressant puisqu'il y a d'abord, peut-être on peut en parler tout à l'heure, il y a des avantages fiscaux qui sont déjà accordés et reconduits par la loi de finances pour 2024, mais il y a aussi un intérêt puisque lever des fonds pour améliorer le processus de production par exemple, améliorer la qualité des produits et aussi donner à ces entreprises une carte de visite puisque l'Algérie encourage aussi ces entreprises à aller sur les marchés à l'international. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, Monsieur Ben Mouhoub, que sur le plan international, tout a changé. Les marchés financiers a connu un bouleversement important. Quel rôle devra jouer aujourd'hui la banque dans le contexte actuel? Est-ce que tout doit changer? Les pratiques doivent changer? Les mentalités doivent changer? Il faut être plus offensif aujourd'hui, Monsieur Ben Mouhoub. Alors, oui, offensif dans le sens où on doit communiquer, Financièrement, voilà. on doit d'abord communiquer l'information pour que les opérateurs puissent savoir quels seraient les avantages que pourrait procurer une introduction en bourse, mais aussi pour les particuliers, ceux qui ont disons, qui ont de l'argent, qui ont une liquidité, qui voudraient investir Le aujourd'hui. formel, par exemple. Oui, absolument. Donc, si on met en place un programme d'introduction d'entreprises intéressantes, donc qui dégagent notamment des valeurs, enfin des plus-values et qui donnent de la valeur au placement, cela pourrait effectivement attirer des investisseurs. On sait très bien qu'il y a un phénomène de thésaurisation chez l'Algérien, donc il faut lui donner plus de moyens ou de produits pour qu'il puisse placer son argent. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a enfin, la mise en place aussi du nouveau système de finances islamiques, notamment la banque islamique, qui donne de nouveaux produits. La bourse pourrait effectivement jouer un rôle intéressant disons, l'attrait de l'argent qui circule en dehors du marché pour venir l'investir enfin, et financer l'économie. Alors, vous avez parlé bien sûr de cette redynamisation du marché financier. Il y a des dispositions nouvelles qui ont été introduites ou reconduites par la loi de finances pour l'exercice 2024 qui prévoit bien sûr des exonérations fiscales pour les investisseurs. Quel sera leur impact aujourd'hui puisqu'il s'agit de reconduction et l'impact n'a pas été perceptible déjà auparavant? Monsieur Ben Mihou. Alors, s'agissant des exonérations fiscales, il faut savoir que les exonérations ont commencé à partir de 2003. Elles ont été reconduites tous les 5 ans. C'est des exonérations d'abord qui touchaient, en fait, et qui touchent, puisqu'elles ont été reconduites par la loi de finances 2024, ce qu'on appelle les investisseurs, donc les personnes ou les institutions qui investissent en bourse, qui placent leur argent dans des entreprises cotées, lorsqu'ils perçoivent des dividendes en fin d'année et où ils vendent et réalisent des plus-values en cours d'année sur des titres cotés, eh bien, ils ne payent pas d'impôts. Donc si ce sont des personnes physiques, elles ne payent pas d'IRG. Pour les personnes morales, ne payent pas d'IBS. D'un autre côté, en 2015, la loi de finances de 2015 avait introduit une nouveauté, c'était en fait d'encourager les entreprises à coter une partie de leur capital. Ce qu'on appelle donc les émetteurs, lorsqu'ils vont émettre une partie de leur capital en bourse, ils bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture. La disposition est arrivée à échéance au 31-12-2023. La loi de finances pour 2024, donc, l'a reconduit. Et là, les entreprises qui vont s'introduire en bourse à partir de 2024 vont bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture sur une période de 3 ans. Mais il y a eu reconduction en attendant que des résultats. Les résultats pour l'exercice 2023 n'ont pas été perceptibles. Qu'est-ce qu'on attend?
aujourd'hui par la reconduction de ces dispositions. Est-ce que c'est faute de la bourse qui n'est pas suffisamment vulgarisée ou alors parce qu'on n'a pas cette culture de la bourse également, monsieur Benmourou? Alors, on ne peut pas isoler en fait la bourse de son environnement, c'est-à-dire que la sphère financière en général. Lorsqu'on parle de bourse, on parle plutôt d'un écosystème boursier. Un écosystème boursier, marché financier, vous avez la bourse en tant que là où se déroulent les transactions, mais vous avez également le rôle des intermédiaires en opération de bourse, vous avez les rôles par exemple des organismes de placement collectif qui ne sont pas activés depuis longtemps, et là donc il y a eu des nouveautés dans ce sens. Il y a aussi la création des OPCVM, des SICAV, vous avez également le rôle du régulateur dans l'amélioration des conditions d'introduction et de gestion au niveau de la bourse, puisqu'il y a un projet, donc ce qu'on appelle le règlement 2304, dont on attend la publication, qui améliore en fait les conditions d'accès, qui facilite l'accès aux entreprises au niveau de la bourse et qui crée également un marché pour les start-up, en fait les plus performantes. Il y a donc des mesures que l'ensemble des acteurs doivent prendre en considération. Donc la bourse, ce n'est pas un élément isolé de son environnement, donc il est totalement intégré. Maintenant, pour ce qui est du rôle qu'elle devrait jouer, il ne faut pas oublier que la bourse a souffert quelque part d'un effet d'éviction, dans la mesure où on le sait que l'État a fait beaucoup d'efforts, notamment en termes de bonification des taux d'intérêt, notamment d'investissement, ce qui fait que l'opérateur, par défaut, il va directement vers le financement bancaire. Et on sait qu'en Algérie, les banques, le secteur bancaire, financent pratiquement 90% des besoins. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est de varier les canaux de financement. La bourse pourrait être un de ces éléments, un de ces acteurs qui pourraient jouer un rôle primordial dans le financement des entreprises, dans la transparence, dans le fait de capter l'argent qui circule en dehors du secteur. Tout cela doit en fait se faire aussi à travers l'introduction d'entreprises performantes, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Donc en clair, les opérateurs économiques préfèrent et favorisent aujourd'hui le financement bancaire. Alors vous avez parlé bien sûr de ces dispositions, elles sont existantes, elles ont été reconduites puisqu'elles sont arrivées à terme au 31-12-2023, mais leur impact n'a pas été perceptible. Qu'est-ce qui doit changer? Alors, d'abord, les mentalités, ou alors revoir carrément ce marché financier pour mettre en place, par exemple, des mécanismes qui permettent d'aller vers la bourse, puisque même le président de la République l'a déclaré ouvertement, l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire et le marché financier. Monsieur Benmourou. Alors, l'une des premières étapes à faire, c'est en fait d'introduire de nouvelles entreprises en bourse. Pourquoi? Parce que plus il y a d'entreprises, plus il va y avoir d'engouement de la part, on va dire, des investisseurs. Il faut des exemples, il faut de grandes entreprises, à l'exemple de certaines, par exemple, filiales de Sonatrach ou carrément Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, Mobilis, Jizy aussi, qui est à 100% État. Est-ce qu'il faudrait les grandes entreprises avec aussi les compagnies d'assurance, les banques, puisqu'on parle déjà dans le PIPE, le CPA, qui est en cours d'adhésion au niveau de la bourse? Alors, dans le principe, on introduit en bourse des entreprises qui sont, on va dire, profitables. C'est-à-dire que l'investisseur, lorsqu'il place son argent, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à rentabiliser son placement. Donc, il faut que des entreprises soient rentables. Dans les autres pays du monde, même les clubs de football sont en bourse. Absolument. Enfin, sont cotés en bourse. La bourse aujourd'hui ne vise pas un secteur particulier. Oui. Le secteur des services, l'agriculture, les clubs de football, l'industrie, etc. Donc, plus on varie, plus on aura de possibilités de financement et de possibilités de placement pour les petits porteurs. Donc l'idée, c'est en fait de commencer à introduire, créer en fait cette dynamique, ce coup de starter qui va permettre d'attirer des entreprises. Mais qui doit donner ce coup de starter? Aujourd'hui, on le voit. C'est l'État par la mise en place de mécanismes qui permettent aux entreprises de l'État qui sont cotées, Sonatrach par exemple, Sonelgaz, Algérie Télécom, Mobilis, Jizy, qui est aussi à 100% étatique, hein, il faut le dire aujourd'hui, puisqu'elle est financée par le fonds d'investissement de l'État, les compagnies d'assurance publiques, les banques publiques, puisqu'on a parlé du CPA, il va y avoir prochainement la BDL, c'est l'État qui doit donner justement ce feu vert.
Absolument, on le voit à travers l'introduction, enfin le projet d'introduction du CPA, puisque selon la COSOB, déjà le dossier d'introduction a été déposé auprès d'elle, donc il est en cours d'instruction. C'est véritablement un coup de starter pour nous, on le comprend ainsi, pour dire que l'État montre le chemin pour les entreprises pour venir en bourse. C'est une opération qui a beaucoup d'avantages, aussi bien pour le CPA, pour le public, pour la bourse d'Alger, pour le secteur bancaire. Donc cela va jouer en fait à dynamiser... La bourse du logement aussi, pour avoir des financements. À dynamiser donc le marché boursier, à créer cet intérêt de la part des opérateurs et aussi du grand public pour le marché boursier. Et c'est-à-dire on envisage que, on prévoit que les années à venir, la bourse va connaître des introductions beaucoup plus importantes, et notamment, pourquoi pas, du secteur privé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, lorsqu'on regarde un peu majoritairement les bourses à travers le monde, elles sont plutôt, disons, le nombre d'entreprises qui sont cotées sont plutôt des entreprises privées. Donc aujourd'hui, l'entreprise privée doit être en mesure de se transcender, de changer de cette mentalité pour dire qu'il est tout à fait possible de se financer à travers une ouverture du capital. Puisque le privé, comme on le sait, ce sont des entreprises familiales qui sont un peu réticentes à l'idée d'ouvrir leur capital en bourse. Mais lorsqu'on regarde les avantages que peut offrir une ouverture de capital en bourse ou une levée de fonds à travers le marché, on va voir qu'effectivement, il y a énormément d'avantages qui sont un peu peut-être méconnus par ces opérateurs. Mais cette frilosité pour échanger, est-ce que c'est une question de mentalité? Parce qu'ouvrir le capital, on peut aussi garder un capital majoritaire. Absolument. Pas tout le capital. On peut ouvrir à hauteur de 20%, 10%, 5%, 3%, alors, selon 30% et on garde une majorité. Selon les conditions actuelles. Comme les compagnies internationales. Selon les conditions actuelles, pour les grandes entreprises, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grandes entreprises pour nous, ce sont celles dont le capital social dépasse les 500 millions de dinars, on exige un minimum d'ouverture de 20%. Après, libre à l'entreprise de décider d'ouvrir 30, 40 ou 50%. Il reste majoritaire, le propriétaire. Et sur ça, lorsqu'elles ouvrent par exemple 30%, elles vont bénéficier d'une réduction de l'IBS, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une réduction sur 3 ans, à hauteur de 30%. Et pour les petites et moyennes entreprises, il y a le marché de la PME qui a été ouvert donc, aussi les startups. En 2012. On exige un minimum d'ouverture de 10%. Donc pour une PME ou une entreprise privée qui ouvre 10% de son capital, elle garde 90% majoritairement. Et même si le niveau d'ouverture est beaucoup plus important, dans la mesure où il est dilué, c'est-à-dire que le nombre de détenteurs de ces actions est très important, on va voir que le niveau de détention parfois ne dépasse pas les 0,01%. Donc il n'y a pas d'émission, enfin, ils ne vont pas s'immiscer dans la gestion à proprement parler de l'entreprise. Donc ils attendent plus un rendement du titre qu'autre chose. Et on sait que les rendements au niveau de la bourse, malgré le fait qu'il y ait 4 sociétés cotées, le niveau de rendement au niveau de la bourse sont aujourd'hui très intéressants. On peut avoir des exemples, par exemple, sur les rendements pour cotées en bourse actuellement. Nous avons des rendements qui tournent aux alentours de 10% de rendement net d'impôts. Alors que si on regarde un peu le niveau des placements au niveau de la place bancaire ou autre, on ne trouve pas ce niveau de rendement. Donc, il y a véritablement un potentiel au niveau de la bourse qui doit être exploité. C'est pour cela que nous encourageons les entreprises à venir ouvrir leur capital en bourse. Mais être coté en bourse permet aussi de conquérir les marchés internationaux. C'est clair. C'est une des conditions. Vous savez, les marchés internationaux sont très regardants sur la qualité sur la gouvernance de l'entreprise, la qualité de ses états financiers et l'accès à ces informations financières. Où est-ce qu'on peut les avoir? Eh bien, lorsque nous avons une bourse dynamique, les partenaires étrangers peuvent avoir accès à ces informations-là et ça permet effectivement à ces entreprises d'aller et de pénétrer des marchés à l'international de manière très facile. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que depuis la création de la bourse d'Alger, cela fait pratiquement un peu plus de 25 ans, notre bourse n'est pas suffisamment dynamique. Si on se compare avec les pays de la région, vous avez celle de la Tunisie, beaucoup plus dynamique que la bourse d'Alger. Comment l'expliquer aujourd'hui, Monsieur Benmoum? Parce qu'il y a une explication, vous êtes à la bourse depuis pratiquement sa création. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette situation? Alors, c'est très simple. En fait, lorsqu'on fait une analyse des facteurs qui font que la bourse aujourd'hui n'est pas aussi
performante dans le sens où elle ne participe pas suffisamment au financement d'économie. Il y a d'abord les conditions de création de la bourse. Elle a été créée dans une période assez complexe. On l'a dépassée, cette période. On l'a dépassée. Par la suite, nous avons le modèle de financement d'économie qui, lui, est basé sur le financement bancaire à plus de 90%. Donc ça, c'est une pratique aussi qui est un peu généralisé auprès des chefs d'entreprise. Lorsqu'ils ont besoin de financement, ils se dirigent directement vers la banque. Autre chose aussi, c'est que la bourse, dans le sens où pour le secteur privé, comme je l'avais dit, on parle d'ouverture du capital, ils sont assez réticents parce qu'ils se disent nous allons perdre le contrôle, il va y avoir des actionnaires étrangers à la famille, etc. Donc, c'est plus un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité, mais il y a aussi des facteurs d'ordre technique, comme je l'avais dit. C'est par exemple la bonification des taux d'intérêt crédit d'investissement font que les chefs d'entreprise préfèrent se diriger vers la banque que d'aller en bourse. Alors, M. Yazid Benmohoub, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est des questions éminemment stratégiques qui assurent aujourd'hui l'avenir de notre marché financier sur le moyen et long terme. Nous avons vu que la bourse, depuis sa création, n'arrive pas à assurer cette attractivité auprès des opérateurs économiques. Actuellement, il n'y a que 4 grandes entreprises cotées en bourse. On peut les citer, puisque c'est des entreprises algériennes, qu'elles soient privées ou publiques. Il y a l'hôtel Horaci, vous avez Saïdal dans le pharma, vous avez Alliance Assurance qui est dans une compagnie d'assurance, et vous avez Biopharm aussi qui est une entreprise dans, bien sûr, le pharmaceutique, avec une petite aussi PME. Alors qu'à côté, et j'ai donné l'exemple, on ne va pas aller dans les pays les plus développés, on ne va pas parler de la bourse, par exemple, du Qatar, ou la bourse des États-Unis, ou de la Grande-Bretagne, ou en France, où il y a le CAC 40, etc. On va se limiter à la Tunisie, un pays limitrophe, un pays de petite taille par rapport à l'Algérie et ses capacités, qui a aujourd'hui 80 sociétés cotées en bourse. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette situation? Est-ce qu'il va falloir réformer en profondeur le marché financier pour que la bourse apporte sa attractivité par rapport au financement bancaire? Et on le voit, on voit très bien que les pouvoirs publics accordent une importance particulière à la redynamisation du marché financier. En 2005, on avait projeté déjà ça, M. Benmohoub. Oui, mais on est dans l'actuel maintenant. C'est-à-dire, c'est bien peut-être un peu de reprendre ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait pour démarrer sur de nouvelles bases. Et on se félicite que M. le Président de la République a lui-même annoncé à plusieurs reprises l'introduction de banques publiques en bourse. Donc ça, et qui sont maintenant à l'international aussi. Qui sont effectivement, donc ça, c'est véritablement un signal éminemment fort pour le secteur. Dire que la bourse de Tunis, qui est à effectivement 80 sociétés cotées et une capitalisation de l'ordre de 10 milliards de dollars, c'est vrai que comparativement à la nôtre, il y a du chemin à faire. Quel est le niveau de notre capitalisation? Aujourd'hui, nous sommes à une capitalisation de l'ordre fin 2023 qui est de plus de 71 milliards de dinars. Elle était à 67 milliards de dinars en 2022, donc elle a déjà bondi de plus de 6,5 par rapport à 2022. Et pour l'index, ce qu'on appelle le ZIR Index, il a évolué de plus de 12%, passant de 3082 points en 2022 à plus de 3453 points en 2023. Donc la progression, elle est là. J'ai dit, le potentiel, il est là. Aujourd'hui, on commence par l'arrivée de grandes entreprises à la bourse d'Alger. Donc nous allons probablement cette année célébrer le premier milliard de dollars de la capitalisation de la bourse d'Alger, ce qui est un élément significatif pour nous et pour toute la place boursière d'Alger. Et cela veut dire que la dynamique est enclenchée et que les prochaines introductions vont en fait faire de la bourse d'Alger un acteur majeur dans le financement. Et je suis certain que dans un moyen terme, la bourse d'Alger pourrait dépasser les bourses régionales, celles que vous venez de citer, avec une capitalisation qui dépasserait donc les 10 et voire les 15 milliards de dollars. Avec seulement le CPA et la BDL? Alors, ou alors il va falloir aussi l'arrivée d'autres entreprises?
Alors, nous souhaitons qu'il y ait plus d'entreprises cotées, c'est-à-dire on ne peut parler d'un marché efficient que lorsqu'on atteindrait les 20, 30, voire 50 sociétés cotées. Mais l'arrivée de sociétés aussi connues que le CPA ou la BDL est d'abord, donc je l'ai dit, c'est un signal fort pour la place. C'est également, donc ça va permettre à la bourse de renforcer sa capitalisation. Ça va permettre aussi d'attirer beaucoup plus d'investisseurs, donc que ce soit des entreprises privées, que ce soit des particuliers, puisque un titre aussi intéressant que le CPA ou la BDL va sûrement offrir des niveaux de rentabilité intéressants, couplés avec des exonérations fiscales, c'est tout à fait bénéfique pour l'ensemble. Est-ce qu'on pourrait envisager aussi d'autres banques de grande taille qui pourraient rejoindre aussi la bourse d'Alger, comme par exemple vous avez la BNA, vous avez la BEA, vous avez aussi des compagnies d'assurance, on a parlé de Sonatrach, avec certaines de ses filiales, Sonalgaz, on a parlé d'Algérie Télécom. Est-ce qu'elles envisageraient, elles sont en contact avec la COSOB? Je ne saurais vous le dire, mais ce que je peux dire, par exemple... La COSOB, c'est l'autorité de la bourse. La COSOB, c'est l'autorité. Donc, pour nous, un dossier ne commence, enfin, une entreprise n'est dans sa phase finale d'introduction que lorsqu'elle dépose sa demande d'introduction, sa demande du visa. C'est le cas du CPA, comme je l'ai dit, qui a déposé son dossier, puisque la COSOB avait fait un communiqué sur cela. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que nous avons, en parlant de la finance islamique, aujourd'hui le niveau des placements ou des rentrées d'argent au niveau de ces guichets islamiques ou des banques islamiques atteint quand même des niveaux assez intéressants. Et aujourd'hui, il faudrait que cette partie, ces acteurs, puissent trouver aussi des moyens de placement et des moyens de financement. D'où la nécessité pour la Bourse d'Alger aussi de créer un nouveau segment qui est celui des soukouk permettre en fait à ces entreprises, que ce soit pour les banques islamiques ou pour les sociétés d'assurance qui sont par exemple dans le Takaful, de pouvoir placer cet argent, puisque les acteurs, enfin le secteur des assurances est un secteur qui peut véritablement garantir une liquidité intéressante au niveau du marché. Alors, les emprunts obligataires aussi, c'est d'autres mécanismes qui permettent aussi d'avoir des cash flows au profit des entreprises, puisque par le passé, on sait que Sonalgaz y a recouru à plusieurs reprises, d'autres entreprises également. Absolument. Est-ce que ça pourrait aussi être un facteur de dynamisation aussi de la bourse d'Alger, monsieur? Absolument. Parler Yazid de la bourse, ce n'est pas exclusivement en parlant d'ouverture de capital. C'est un premier pas déjà pour aller vers la bourse. Voilà. Donc, par l'emprunt. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, enfin les entreprises ont la possibilité de se financer soit à travers des ouvertures de capital, donc par cession ou augmentation du capital, mais elles peuvent également faire des émissions obligataires qui vont leur permettre en fait de lever des fonds. Alors ça peut être ce qu'on appelle des obligations cotées, comme vous avez cité la Sonelgaz qui avait fait à deux reprises donc des emprunts obligataires. Ça peut aussi intéresser d'autres entreprises, d'autres compagnies pour pouvoir lever des fonds. Après, l'idée serait que ces emprunts obligataires puissent garantir une rentabilité, un rendement qui soit intéressant, sachant qu'également, au niveau des obligations, lorsqu'elles sont cotées ou émises au niveau de la bourse, elles bénéficient aussi d'une exonération, que ce soit en matière d'IRG ou d'IBS, pour les détenteurs sur une période de 5 ans. Donc ça peut véritablement être un accélérateur pour le marché. Alors nous avons vu aujourd'hui qu'il y a un bouleversement sur le plan de l'investissement, puisque tous les textes ont été finalement adoptés avec les textes d'application. Le dernier, c'est bien sûr qui concerne le foncier. Est-ce que des entreprises étrangères aussi pourraient lever des fonds pour investir dans notre pays également, quand elles sont cotées déjà au niveau international? Alors si une entreprise est de droit algérien, elle a la possibilité de se coter en bourse. C'est-à-dire que importe peu que ça soit, que le capital soit étranger ou local, donc c'est la nationalité de l'entreprise. Si elle est créée en Algérie, on considère que c'est une entreprise de droit algérien, donc elle peut se coter en bourse. De la même manière, pour ceux qui souhaitent, en fait, les investisseurs, ceux qui souhaitent acheter des actions ou des obligations en bourse, ils peuvent le faire dans la mesure où ils sont résidents. Donc la notion de résidence définit la possibilité ou non d'investir en bourse. Pour les investisseurs,
Et lorsque l'entreprise est de droit algérien, elle peut le faire au niveau de la bourse d'Alger. Donc les portes de la bourse sont ouvertes aussi pour ces entreprises-là. Mais est-ce qu'on pourrait changer, par exemple, la façon de procéder et l'ouvrir même à des sociétés de droit étranger, Monsieur Yazid Ben Mohoub, comme cela se fait au niveau de toutes les bourses du monde, hein. Alors, si on regarde un peu la progression... On ne voit pas la nationalité, on voit l'entreprise. Lorsqu'on regarde, par exemple, la bourse de Tunis, puisque vous en avez parlé, elle n'a ouvert son... la possibilité d'investissement pour les étrangers qu'il y a 3 ou 4 ans. On donc, pourrait le faire aussi. C'est la même chose qu'avait fait l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle la bourse de Daoul, avec laquelle nous avons d'ailleurs signé... Et qui est très dynamique également. Avec laquelle nous avons signé une convention. Ça veut dire que dans un premier temps, pour nous, c'est d'abord d'introduire le plus d'entreprises de droit algérien. Mais on pourrait avoir aussi d'entreprises de droit étranger qui pourraient, si elles venaient à investir en Algérie, pénétrer le marché algérien. Ça pourrait dynamiser ça également. C'est une possibilité envisagée. Parce qu'il y a cette culture à l'étranger également. Oui, ça de pourrait la bourse. Être envisageable à l'avenir. Maintenant, les textes sont ce qui sont là. On doit travailler avec ce qu'il y a. Mais on est en train de changer la mentalité, l'approche et même le marché financier. On pourrait lever cette petite contrainte puisque vous avez cité la Tunisie. Ça fait 4 ou 5 ans qu'elle l'a fait. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite qui est arrivée en dernier, oui, qui a une bourse très dynamique aujourd'hui et qui a ouvert aussi aux entreprises de droit étranger. J'ai dit que c'est envisageable, effectivement, dans un avenir proche, mais pour l'instant, pour nous, c'est de faire en sorte que la bourse d'Alger puisse avoir plus d'entreprises de droit algérien. Donc, l'arrivée de nouvelles entreprises en bourse va garantir l'attractivité du marché. C'est à travers cela que... Et c'est ce qu'on cherche, avoir de l'argent, le cash flow. Ce qui est recherché. Et aussi, avoir des financements. N'oublions pas, nous sommes aussi dans tout une le monde optique, est gagnant. Nous sommes dans une optique d'abord d'inclusion financière, d'éducation financière. C'est des éléments importants parce qu'un marché... Mais l'inclusion financière qui avait déjà été engagée en 2015, vous vous souvenez, Monsieur Ben Mohoub, je vous avais à l'époque invité et on avait déploré le fait qu'on n'ait pas associé, c'est-à-dire la bourse d'Alger, c'est-à-dire cette inclusion s'est faite directement via les banques. Bien sûr, en occultant la bourse d'Alger. Oui, c'était... Et vous l'aviez déploré à l'époque. La période où on avait lancé le NCE, donc l'emprunt national pour le financement, enfin, pour le financement de l'investissement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que être coté en bourse doit être en fait un gage de bonne gouvernance, un gage de sérieux de la part des entreprises. C'est ce que recherchent en fait même les partenaires étrangers. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, les sociétés, les entreprises algériennes qui veulent aller sur des marchés à l'international sont en tout intérêt à être cotées en bourse. De un, parce qu'ils vont lever des fonds de manière directe à un coût qui reste quand même assez intéressant. De deux, ça va les aider en fait à améliorer leur gouvernance puisque comme on exige que les entreprises cotées soient des sociétés par action, donc il va y avoir un conseil d'administration, une assemblée générale. Tout doit changer. La gestion va changer. Et bien entendu, ça va leur permettre... Il y a des conseils d'administration sans être à la bourse. Absolument. Ils existent actuellement. Et de montrer qu'effectivement, ce sont des entreprises transparentes qui ont des états financiers selon les normes consacrées dans le domaine et que, par conséquent, les partenaires étrangers sont friands de ce type d'entreprise. Mais vous avez aujourd'hui des conseils d'administration sans être cotés en bourse. Alors, autre question, M. Ben Mohoub, que je voudrais aborder avec vous, celle de l'auditeur qui vous dit l'absence de la bourse dans les financements des start-up. Pourtant, le mécanisme est mis en place aujourd'hui. Alors, la mise en place d'un marché des start-up est envisagée dans le texte, dans le règlement que j'ai dit, 2304, qui est en cours de publication, donc qui a été validé par la COSOP. Mais il faut savoir que les start-up, dans un premier temps, ont des accès à des financements. Ça peut être des financements, par exemple, type... Il y a le fonds maintenant. Il y a le fonds. Le crowdfunding, oui. Il y a le crowdfunding d'abord. Mmh. Vous avez ensuite l'ASF qui est là. C'est-à-dire lever des fonds sur Internet pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Le crowdfunding, voilà. C'est en fait des financements participatifs à travers des... qui ne passent pas automatiquement, ni par la banque, ni par la bourse. C'est des plateformes technologiques, numériques. Voilà. Tout le monde peut mettre son argent. Alors, pour nous, aujourd'hui, l'ASF ou d'autres fonds qui prendraient des parts dans des start-up qui seraient qui ont des marchés intéressants pourraient effectivement venir en bourse plus tard puisque le fonds a vocation à sortir du capital. Donc pour nous, la meilleure façon de faire, c'est que le retrait du fonds se fasse à travers la bourse. Et on le dit dans la... Mais les start-up, oui, on devrait déjà les encourager à adhérer à la bourse, à lever des fonds.
Start-up, mais pas dans la phase de création, en fait. Mmh. C'est dans une autre phase, lorsqu'elles ont un marché, lorsqu'elles ont, commencent à générer mais du chiffre. Mais certaines commencent à avoir oui, un petit marché. Oui, bien sûr. Il y a des start-up qui sont potentiellement... On a une start-up qui, à l'international qui est cotée en bourse. Nous avons également une start-up qui a fait une levée de fonds, mais... CSIR, par exemple, mais qui est au niveau, par exemple. Oui, nous avons une autre entreprise qui est Grodesto, qui a été créée à travers un dispositif de la Bourse d'Alger qui permet en fait de créer son entreprise à travers le marché. Donc elle a levé des fonds, quelque chose comme 200 millions de dinars. Donc elle a approché de potentiels investisseurs qui ont donné leur accord. Ils ont déposé un dossier d'introduction, enfin de levée de fonds à travers la COSOP qui lui a été accordée. Et l'entreprise aujourd'hui travaille avec ces fonds-là. Alors vous avez cette question aussi très pertinente de l'auditeur qui vous dit qu'il faut commencer aussi par le commencement, éradiquer le marché informel pour que les gens aillent vers d'autres mécanismes de financement de notre économie. Quelle est votre réponse justement, puisqu'il considère que l'informel est une entrave à la mise en place de la Bourse d'Alger? Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un effet de corrélation. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on multiplie les offres de produits de placement, on doit être aussi... c'est une façon, en fait, de capter de l'argent, que ce soit, comme j'ai dit, l'argent thésaurisé ou celui qui est dans la formelle. Mais aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'ère technologique. Il est tout à fait donc important d'utiliser toutes ces techniques pour pouvoir, en fait, utiliser... permettre aux Algériennes et aux Algériens d'utiliser les moyens de paiement, donc ça participe à l'inclusion, mais aussi cette façon en fait de retirer du cash, de réduire en fait l'utilisation du cash, va permettre de ramener graduellement le marché de l'informel vers le secteur formel. Alors vous avez cette question, je vais vous la poser quand même, monsieur Benmouhoub. La meilleure option d'ouverture du capital serait à travers la bourse pour permettre aux épargnants algériens de refinancer le tissu industriel national, réduisant ainsi le recours au trésor. Ça pourrait se faire également. Oui, mais c'est ça le principe, hein, c'est acheter les actions. Le principe d'une introduction en bourse, c'est en fait c'est un appel public à l'épargne. Mm. C'est donc de présenter un projet qui soit structurant, intéressant, qui comme crée de l'emploi, obligataire. Etc. Non, je parle plutôt d'ouverture du capital. Et bien sûr, garantir aux investisseurs un niveau de rendement intéressant. Si le niveau de rendement est intéressant, eh ben, les investisseurs vont adhérer. Lorsque vous avez la qualité de l'émetteur, en parlant par exemple du CPA, qui est une banque connue et reconnue, ses états financiers sont excellents. Donc un titre comme celui-là devrait normalement créer un intérêt particulier de la part des investisseurs. Donc on s'attend véritablement à une opération très, on va dire, très fructueuse à tous les niveaux. Donc ce type d'entreprises qui sont cotées en bourse va permettre de créer la dynamique nécessaire, de créer de permettre d'avoir la liquidité nécessaire et aussi donc avoir les rendements nécessaires pour les investisseurs. Alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit, vous avez cité le secteur de l'agriculture qui peut être coté en bourse. Absolument. Cela veut dire qu'un agriculteur ou un éleveur peut entrer en bourse. Comment cela peut-il se faire aujourd'hui? C'est la question de l'auditeur. Il y a beaucoup d'engouement ce matin. Alors, pour la Bourse d'Alger, c'est bien? J'ai bien dit que la bourse est ouverte à l'ensemble des secteurs. Après, il y a des conditions d'introduction. L'une des premières conditions, c'est de se constituer en société par action. C'est ça l'obligation. Lorsqu'une société est créée donc sous la forme de société par action et qu'elle a une valeur, on fait une évaluation par des experts comptables ou par des cabinets spécialisés, lorsqu'on détermine sa valeur marchande, on détermine le prix donc de l'action et on détermine aussi le niveau du financement par rapport au projet. Et là, je parle que ce soit de l'agriculture, de l'industrie ou des services, ils sont potentiellement éligibles à une introduction en bourse. Mais la première condition, c'est d'avoir des sociétés par action. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut rattraper le retard qu'on accuse aujourd'hui, monsieur Benmouhoub, puisque nous avons vu qu'à travers le monde, il y a un bouleversement total des mécanismes existants actuellement et on doit être aussi dynamique. Absolument, je suis totalement d'accord avec lui. Il est tout à fait possible, en fait, de rattraper ce retard. Mais quelque part, ça nous permet aussi d'éviter peut-être certaines... certains éléments qui ont peut-être à l'étranger, qui n'ont pas permis à ces marchés
de progresser normalement. Donc ça, nous avons... Mais tout est coté au niveau international et on a vu les bouleversements qui se font sur les marchés boursiers qui ont un impact même sur des pays comme les nôtres. Par exemple, les céréales qui ont connu un boom extraordinaire. On ne pensait pas que des produits alimentaires allaient être cotés en bourse au même titre que le pétrole et le gaz. Oui, tout est coté, c'est clair. Le café, sucre, les produits, je parle des produits alimentaires. Vous avez aussi les fertilisants, les engrais. Oui, parce qu'on a... Alors que c'était des produits qu'il y a quelques temps, on n'aurait pas imaginé qu'elles seraient aussi cotées que les hydrocarbures. Oui, et pourrait même les devancer. Nous sommes dans ce qu'on appelle, c'est une bourse des valeurs, donc des valeurs mobilières. Ce que vous venez de dire, ce sont en fait c'est des bourses de commodities, donc ils vendent des produits comme le sucre, le pétrole ou autre. Mais qui le sont depuis quelques temps déjà. Oui, absolument. Mais là, ils ont connu une valeur. C'est que l'utilisation de la technologie aujourd'hui peut effectivement permettre d'avoir ce bond qualitatif qui va permettre en fait au marché boursier et qui va entraîner bien sûr l'ensemble des acteurs autour de lui. J'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème, donc il va permettre une montée en cadence, une montée en fait en niveau de rendement qui va impacter l'ensemble des acteurs. Alors, aujourd'hui, par exemple dans le domaine des services, comment on peut intégrer la bourse? Je vous l'avais dit, dans la mesure où une entreprise est constituée sous la forme de société par action, qu'elle soit dans le secteur des services, dans l'industrie, dans l'agriculture ou autre, elle est potentiellement éligible à une cotation. Si elle présente des états financiers intéressants et si la COSOB juge que le dossier qui a été déposé, la notice, ce qu'on appelle la notice d'information, est viable, elle peut donner donc son visa. Donc on peut lever des fonds. Dit qu'on n'a pas un secteur particulier à financer. Nous avons vu qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train d'examiner la possibilité d'aller vers le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé, même s'il a fait bien sûr l'objet d'une relecture par le président de la République, qui l'a bien sûr demandé à l'affiner encore davantage, mais on est en cours de cette mise en place. Quand il y a des partenariats public-privé, il faudrait aussi envisager que ces entreprises puissent aller en bourse. Oui, à la base, monsieur. Si on prend le cas d'une entreprise publique, vous avez cité Saïdal et celles qui sont cotées en bourse actuellement. Oui, c'est une partie, il y a 20% de leur capital qui est détenue par le public, c'est-à-dire par des particuliers, par le privé, si vous voulez dire, si on veut dire. Donc, c'est une forme. C'est-à-dire, c'est une forme mais de partenariat public-privé. Oui, mais la forme de partenariat public-privé tel qu'il est énoncé, il a une autre démarche. C'est-à-dire les entreprises privées qui prendraient des parts. Mais le faire à travers la bourse, c'est aussi tout à fait envisageable. C'est une sorte de partenariat public-privé. Absolument. Avec, bien sûr, les citoyens qui pourraient y adhérer. Alors, de nos jour, notre bourse, en absence d'une culture financière propice, ne peut se développer sans une politique volontariste des pouvoirs publics, contraindre le partenaire public-privé par le recours de la bourse à une obligation de transparence et une garantie d'une gouvernance moderne et publique contrôlée. Quelle est votre réponse par rapport aux commentaires? Je l'ai dit, moi j'y adhère totalement. Par définition, la bourse, c'est le marché de la transparence. Pourquoi? Parce que Ça va mettre fin à certaines pratiques antérieures que nous avons connues. Pour nous, le prix en fait, d'une action ou d'une obligation est lié à l'information qu'on communique. Donc, si la qualité de l'information est fiable, ça va se répercuter de manière positive ou négative sur le prix. Donc, la transparence, lorsqu'on parle de bourse, on parle de transparence. Puisque nous exigeons, la réglementation l'exige, les entreprises qui ouvrent leur capital ou qui émettent des obligations en bourse sont dans l'obligation de communiquer au moins 2 fois par année. Et elles doivent bien sûr communiquer toute information pertinente, donc qui pourrait avoir un impact sur le cours de l'action ou de l'obligation. Alors en cas de faillite, quel recours pour les épargnants aujourd'hui qui ont mis leur argent? Alors en cas de faillite... Est-ce qu'ils sont en faillite au même titre que l'entreprise ou alors ils récupèrent leurs fonds? Alors, il faut savoir que l'introduction est déjà soumise au visa de la COSOB, c'est-à-dire qu'elle va vérifier la validité des informations qui sont fournies, etc. Mais le visa n'est pas en soi une garantie. Le marché boursier, est par définition, est un marché risqué. C'est un marché du risque. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Plus vous risquez, plus vous gagnez ou plus vous perdez. Mais il faut savoir qu'il y a un dispositif. C'est comme au poker. Il y a un dispositif aussi qui sera mis en place par la COSOB. C'est en fait pour les intermédiaires en opération de bourse qui doivent en fait
participer à un fonds qui va permettre en fait de faire face éventuellement à certaines situations. Par exemple, le fonds d'investissement qui est au niveau du ministère des Finances actuellement, qui bien sûr apporte son cash flow, pourrait aussi adhérer à la bourse. Vous parlez du fonds lui-même? Oui, du fonds lui-même. Alors le fonds est beaucoup plus un booster pour pour l'introduction en bourse. C'est-à-dire il prend des parts dans C'est des ça. entreprises et lorsque dans le parc des actionnaires, il signe la façon, enfin la manière dont le retrait va se faire, et généralement on privilégie la voie de la bourse. On a eu le cas déjà d'une entreprise privée qui, dans le cas de le fonds d'investissement, a fait sa sortie à travers la bourse. Et bien sûr, lorsque le fonds réalise une plus-value de sortie, eh ben la plus-value, elle est à 100% exonérée d'impôt. Alors, comment peut-on pousser une entreprise à adhérer à la bourse algérienne alors que l'inflation monétaire fait rage au niveau de l'économie algérienne? Monsieur Yazid Benmohoub, Alors, c'est une. c'est le même principe, hein, c'est Oui, une enfin, marché, c'est une question. l'inflation, C'est hein, une ça monte et question. ça descend. C'est une question d'opportunité pour le chef d'entreprise. Il doit faire un benchmark des offres qui existent sur le marché, voir quel est le financement le plus adéquat, le moins coûteux. Donc à partir de ce moment-là, c'est la décision lui revient d'aller en bourse ou d'aller en banque ou de faire entrer un fonds d'investissement dans son capital. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'émission arrive à son terme. Monsieur Yazid Benmohoub, merci d'avoir répondu à nos C'est questions et moi. d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. À demain. Au revoir.